Vegas. Now wait, move on. Yes, c'est encore le micro pré-tapé pour copier comme un chanteur de deadcore fit. Bon, ben comme à l'habitude, le premier band, c'est moi qui parle parce que... Une seconde. Hey, garçon, t'as-tu un autre micro que lui, il sac la marde? T'as-tu un autre micro? Ok, t'es en train de le chercher dans ses grosses fesses. Non, c'est mes grosses fesses. Hey, sors de là. Bon, ben, je vais commencer à parler. Hey, fantastique prestation avec full de feed. C'est le micro que je fais, c'est sur le temps. C'est pas le micro le problème. Y'a-tu là? Y'a-tu? Allez, tu sors. Dankeschön, Fraulein. Ah, c'est un micro allemand. C'est de quoi ça va sonner? Guten Abend. Ein Herr Glacialisten kann gut nicht. Non, c'est bon. Ok, hey, belle prestation comme d'habitude. S'il vous plaît, ceux qui veulent parler, crissez votre camp. Ceux qui veulent écouter, veulent écouter. Je peux le dire en une autre langue. Get the fuck out. Merci. Ok, belle prestation. Yes! Plus de 100! Ça, je voulais. C'est le beau temps que d'habitude que moi je veux, parce que j'aime beaucoup pitcher les tampons, fait que tu sais, je suis déçu de la bonne. Je vais commencer avec Micha. Je sais même pas si ton vrai nom, on va dire Steve. Steve, le chanteur bassiste. Man, tu torches. Je trouve que t'as une présence hallucinante sur un stage. C'est-à-dire, il y a beaucoup de bands que moi j'aime que bassiste chante. Sur Blind Guardian dans le temps, qui joue de la bass, qui chantait. Que ce soit D-Side, que ce soit Les Roteux Cosmiques de Sherbrooke. Non, c'est Joe Gibbs. Mais d'une extrême prestation assez intense pour un gars qui chante et qui joue de la bass. Tu pourrais juste devant, mais non, tu te promènes beaucoup. Ton facial est hallucinant. Très bon acteur, mettons, en tant que tel, sur le stage. Votre début, il a commencé, tout le monde saignait de la gueule. Je suis bien content d'avoir écouté ce que j'ai dit. Presque. Il y a encore du monde avec des running, mais ça, c'est pas de votre faute. Toujours super dynamique comme musique, autant que sur la scène que ce que vous jouez. Ça se promène de haut en bas, gauche-droite, en VR Select Start, j'avais 30 vies, c'est vraiment écœurant. Là, c'était le joke de Nintendo, pour ceux qui n'ont pas compris. La dernière fois, il y a une personne qui est venue me dire, puis moi, Sam, la dernière fois, tu m'as dit, moi, puis c'était comment? J'ai dit, c'était pas bon, c'était pas super bon. J'étais comme, t'as été là, parfait. Ce soir, je t'ai vu plus. J'ai vu le personnage que j'ai vu avec le chapeau de Mario Bros. Tes faces étaient là, ta prestation était plus là. Je sais pas pourquoi. Ben pourtant, il fait plus chaud à ce soir que la dernière fois. Mais ta prestation était plus là. Moi, je vous suggère pour dans le futur, c'est le nom entre le keyboard puis la bass. Parce que, premièrement, vous êtes pas en ordre de grandeur, mais c'est lettre. Deuxièmement, lui, il fait pas assez de face pour être en avant. Ta face, je pense que t'as bougé quatre muscles, puis c'est quand t'as craché du sang. T'as besoin de plus de prestations faciales, mais souvent, on voit juste tes cheveux, fait que c'est correct. Mais je vous suggère de mettre Sam à l'avant, pas parce qu'il est petit, parce que ben il fait très plus, là. Ça serait plus visuellement dynamique, plus intéressant. Vos groupes, Headbang, je sais pas s'il était là la dernière fois, mais là, il était fucking là. Génial, j'ai adoré. Ton vocal, Micha... Cabaret, diabolique, clean vocal, pas vraiment clean vocal, la première chanson. Étais-tu là la dernière fois, cette tune-là? Oui. Non, il a dit non. Excellent tune, j'ai adoré, ça a très bien commencé le spectacle, ça a allé smooth, ça, c'est parti. Ton vocal, cabaret, fucké, j'ai adoré. Sam, au vocal avec les deux autres, c'était hot. J'aimais ça, le fait que vous avez rajouté le plus de vocal que vous pouvez. Quelques petits accros d'un tune qui avait peut-être pas eu la dernière fois. J'ai senti, je sais pas si vous avez comme changé Time Signature pour être drôle. Il y a des petits accords au kit qu'au drum. C'est sûr que c'est pas dramatique vu la musique. Mais en overall, great prestation. Je vous présente maintenant Corinne de ma frayeur. Elle aime les Vikings et ma Paris. Donc bonsoir tout le monde, j'ai une coupe de commentaires. J'ai vraiment aimé la performance, j'ai vraiment ce que vous faites, c'est original. Par instrument, le keyboard, ça torche, j'ai rien à dire. Par rapport au clavier, c'est excellent. Lead vocal, bass. Ça torche, je vois tout ça. Ce qui torche, ce que j'aime, ce que j'ai rien à dire, le plus simple, c'est parfait. Ta présence est vraiment écœurante, donc on va passer rapidement. Au niveau du drum, je suis pas drummer, c'est pas tout, mais la seule chose que je joue, c'est qu'il manque un peu de funky. C'est comme ça que je l'ai écrit, parce que vous faites quelque chose d'original, de différent. Fait que je verrais peut-être des petits beats de drum
des phases qui sortiraient de ce que vous faites. Fait que tu comprends, c'est important, la caméra comprend, j'espère. Fait que dans le fond, de faire quelque chose va suivre un petit peu plus le mood, parce que c'est vraiment juste la base, j'ai l'impression. C'est comme, on est en 3-4, on fait du 3-4, mais peut-être mettre des petites fioritures autour, c'est ce que je ferais. Sam, c'était super bon, t'es dans ton personnage, je vais rapidement aussi. J'ai vraiment aimé ta performance, ton vocal lâche pas, c'est pas parfaitement juste, tu m'as regardé, on a ri, mais c'était vraiment bon. J'ai dit, non mais tu devrais en faire plus. D'ailleurs, j'ai des commentaires par rapport au vocal de faire des harmonies aussi. La guitare, c'était bien, c'était tight. Même chose que lui a dit au niveau du personnage. La dernière chose que j'étais dedans, c'était plus dans ton personnage. Au début, juste avec le sang, t'avais l'air d'attendre. Comparé avec les autres, t'avais l'air d'être plus comme en transe un peu. Essaie d'être plus en transe. Puis si t'es pas capable, fais juste faire foncer les sourcils. Non, mais ça. Essaie de créer. Regarde-toi dans le miroir, fais-toi des faces, fais comme ok, celle-là est pas pire. Fait que quand je sais pas comment. Twist and gosse. Fonce des sourcils ou quelque chose. Twist and gosse, c'est sûr que j'ai pas de place. D'accord avec le fait de mettre peut-être Sam au milieu, ça pourrait être intéressant parce qu'il est vraiment tout le temps dans son personnage aussi. Fait que c'est fun à voir en fait. Maud, au niveau du lead vocal, c'est vraiment bon. Je vais chercher un peu. Fait qu'au niveau du lead vocal, c'est vraiment bon. Moi, je trouve ça meilleur que tes anciennes chanteuses, comme je t'avais déjà dit. Je trouve que tout ce qui est lyrique, c'est là que t'es le meilleur. Quand c'est des notes longues. Genre, t'es vraiment de même. C'est tout le temps super juste. T'es capable d'aller chercher des notes super aiguës. Vraiment juste, c'est quand ça bouge plus rapidement les notes que là on perd un peu la justesse, comme dans le refrain de la troisième tune qui est la deuxième qui est ma préférée, vous avez fait la vidéo clip là. Puis c'est surtout quand ça bouge rapidement, fait que peut-être juste faire attention à ce niveau-là. Au niveau peut-être un peu de la prononciation, je comprenais pas trop quand tu chantais. Peut-être pratiquer avec les voyelles, c'est des trucs qui prononcent aucune consonne. Chante tes phrases juste avec les voyelles, puis après tu rajoutes les consonnes, ça aide vraiment à. Ça a l'air retard de semaine. Voilà, par rapport à ça, très 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 rapidement, je parle trop longtemps, s'il y en a qui vont chialer. Non, mais c'est pas chier de quoi à dire. C'est bon, allez, parle! Fait que. Micro wireless. Wireless, ça serait fantastique. J'en ai un de 700$! Wireless avec un ear. Tu promènes comme tu veux, tu reviens. Je sais que ça coûte de l'argent, je sais que t'es étudiante. Ça l'a laissé dans notre local. Mais essaye-le. Puis. J'aimerais te fouetter, asti. Tu en as un, mais tu l'utilises pas. Mais quand je te dis wireless, c'est pas dans la main, là, vraiment accroché. Là. Un Britney mic. Ouais, c'est ça. Hey, j'en ai un, puis c'est ça, coche. Mais il y a des. C'est même lui qui l'a dit. Moi, mon stock. Fait qu'il nous a juste. Avec un plan. I guess I'll start with the fact that the thing I enjoyed the most is the theatrical part of your band, which is something, I find it's missing in the middle of the last couple of years. I love the way you guys present yourself with the blood and the outfits and everything. Also the fact that you mix so many styles of music, black metal, death metal, cabaret music, I find that super interesting. But at the same time, it might be a little bit too much at times. I find your song structure, the time changes can be a little bit too abrupt. And it goes back to what Corinne was saying about the drums, that sometimes it can be very rigid. And by adding in the fills and stuff like that, it might make the transitions a little bit easier. But I'm sure that's stuff that will come with more practice. Like I said, I found it super original. And the second and fourth song were my favorite out of the set. I found the way that I like, your first song was by far the most interesting, but I find opening with it might shock people a little bit much because it is completely different than the rest of your set, especially with your intro.
But the intro is super intense with the build-up and the blood, and then you have this wacky cabaret music starting, and just kind of like gives a different showing of the band that the rest of the set kind of does. So maybe you can sneak that into the middle and kind of get people used to that side of the band, and then kind of move it into the beginning of the set. I think that's pretty much it for me. But it was a great set, first time seeing you. It's a style of music I don't really know much about, so I can't be like, hey, that was completely unoriginal. I'm totally not like this band. But what I saw, I love. Can't wait to see you guys again. And I see, you know, the sky's the limit in terms of like what you guys are working with. And, you know, I can't wait to see more from you. Merci beaucoup, messieurs, dames. Je vais être bref parce qu'ils ont à peu près dit tout ce que je voulais dire. Je veux vous féliciter pour une chose que personne... Phil, il en a parlé un peu, les deux autres n'étaient pas là avant. Vous avez été réceptifs aux commentaires de votre première présence au Metal Academy. C'est vraiment une bonne idée que vous avez eue parce que, vous avez un peu plus tighté votre présence sur le stage, vous avez bougé en même temps, le sang au début, la manière que vous avez parti votre prestation, j'ai trouvé que ça ajoute encore plus à votre présence théâtrale. La première toune, par exemple, je suis pas sûr. J'ai eu un peu le même feeling que c'était peut-être une de vos pièces les plus complexes dans toute votre set. Partir avec ça, des fois, ça peut déstabiliser les gens qui ne vous connaissent pas, puis vous pourriez les perdre en partant. En même temps, ça allume celui qui se dit « Hey, fuck, je les connais pas, ils sont aussi malades que ça. » C'est un couteau à deux tranchants. Il s'agit de bien gérer une fois que vous aurez évalué justement la position de vos tunes dans votre setlist puis toute l'équipe. Il y a déjà un line-up que vous respectez pas, qui est celui de votre album quand vous jouez vos tunes. Fait qu'il y a moyen de jongler et de voir où vos tunes seraient le mieux placées. Avancer le clavier un peu plus en avant, c'était génial. Je suis d'accord avec le wireless, mais en attendant, ça t'a permis de pouvoir te déplacer de gauche à droite, mais faire ta présence au milieu du stage quand c'était le temps. J'adore ça parce que c'est des trucs qui permettent justement de mettre en valeur chacun des musiciens sans que t'es petit, tu sais, on peut pas se le cacher, mais reste pas dans ce coin-là tout le temps. T'sais, toi, viens faire ton tour au milieu, les autres, ils vont se tasser. Parce qu'il y a toujours une trouée à quelque part, puis spot-toi là si c'est important. Viens te mettre dans la trouée pour que tout le monde te voit. T'es un Christy bon guitariste, mais il y a des grands bouts, tu sais, qu'on fait juste entendre, puis qu'on a la... Bon, c'est peut-être juste mon problème, là, mais on a tendance à pas vouloir te chercher. Fait que viens au milieu avec les autres, tasse en un... Puis, prends ta place pour le petit bout où c'est que c'est important que, parce que t'en as des lignes à nous montrer, toi, avec. Par exemple, le headbanging, j'ai trouvé ça cool aussi. Vous headbangez pas tout de la même manière, mais c'est les muscles du cou qui font ça. Les running shoes, ouais, si vous le savez pas trop, là, c'est pas. Tu vas au musée McCord, puis tu regardes des astis beaux costumes victoriens, puis avec des belles bottes. Et après ça, tu vas voir ça, il doit avoir là, dans les pawn shops, là, un vieux gothique, il a fallu qu'il pente pour se stinguer. Bon, à part de ça, moi, un, je suis pas gothique, deux, pas de trou dans les bras, et trois, je porte des bottes à cap d'acier. Finalement, le restant, ben, félicitations encore, je vous le redis, vous améliorez sans cesse, moi, j'adore vous voir. J'ai hâte encore la prochaine fois, là, je sais pas. Mesdames et messieurs, il est présentement 22h. Alors, vous avez environ 15 minutes pour descendre en bas, boire de la bière, dire bonjour à vos amis, pousser un chat dans une rue, dans un char. Et n'oubliez pas de venir voter dans la boîte de vodka à côté de l'ex, le band que vous aimez le plus. Vous pouvez être vraiment poche puis voter pour le deuxième ou troisième band qui n'ont pas encore joué. Ou voter pour le band que vous aimez à la fin de la soirée. Alors, amusez-vous bien, revenez à 22h15. Merci à vous. Hey, t'as pas le micro, j'ai fini! Hey.